de gloire. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, je t'adore. Oui, ton nom s'élève, Seigneur. Majesté, en majesté, et de mes lèvres, Seigneur, je veux célébrer. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu, il est digne. Digne es-tu, reconnaître que toi seul es digne aujourd'hui. Père, nous voici. Nous voici, Seigneur, à tes pieds, prosternés devant ton trône pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ta magnificence. Nous voulons reconnaître de tout notre cœur. Nous voulons reconnaître aujourd'hui que nul autre n'est digne si ce n'est toi. Nul autre n'est digne d'être honoré. Nul autre n'est digne d'être reconnu comme la source de tout ce qui est bon dans notre vie. Tu es ce qu'il y a de mieux dans notre vie, quelles que soient les circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous choisissons d'élever ta présence, de reconnaître que tu es digne. Chaque jour, nous voulons le reconnaître aujourd'hui. Nous choisissons de te célébrer. Nous choisissons de dire que toi seul es digne. Nous choisissons de le dire. Nous choisissons de le chanter. Nous choisissons de le crier. Nous choisissons de le témoigner. Nous choisissons aujourd'hui d'élever un seul nom, le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, si ce n'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous le disons encore. Nous n'écoutons pas nos émotions. Nous n'écoutons pas les circonstances. Nous n'écoutons pas les sentiments et ce que le monde dit. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il est digne, tu es digne, tu es digne aujourd'hui. Oui, tu es digne, je le choisis, je le dis, je t'élève, je te célèbre. Aujourd'hui, une famille, un peuple, une église dit, tu es digne, tu es digne. Et encore aujourd'hui, nous voulons te célébrer, Père. Merci Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur, merci pour ta bonté et pour ta magnificence, pour ce que tu es, pour ce que tu fais Seigneur dans nos vies. Merci Seigneur, aujourd'hui encore, il y a un peuple rassemblé qui a choisi d'acclamer. Oh, pas le nom d'un homme, mais le nom de celui qui était, qui est et qui vient, l'Alpha et l'Oméga. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, celui qui est la différence et qui fait la différence. Notre Père, notre Dieu, notre amour, notre tout, celui qui est dans nos vies, celui qui investit dans nos vies, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas, celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui fortifie, celui qui propulse. Il est digne, il est digne, il est digne. Oh, il est digne de plus que ça. Il est digne des plus beaux chants. Il est digne des plus beaux mots. Oh, aujourd'hui, quelqu'un
Quelqu'un a choisi de ne pas regarder aux circonstances, aux conditions de sa vie, mais il regarde non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont éphémères, mais les choses invisibles, le Dieu vivant, il est éternel, il règne pour l'éternité, et nous régnons avec lui. Oh, merci Seigneur, pour ta bonté, pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce privilège que d'être en ta présence. Beaucoup de personnes aimeraient connaître les présidents de ce monde, mais ils ne les reçoivent pas. Mais toi, le roi des rois, tu nous invites à ta table, dans ta présence, et tu nous appelles tes fils, tes héritiers. Oh, il est digne de plus que ça. Amen. Béni sois-tu, Père. Nous te célébrons. Nous n'avons pas les mots, mais simplement...